Vidéo, nous allons partager une recette très intéressante. Voilà. Dans cette vie, il y a des secrets que vous devez avoir pour réussir. Dans cette vie, je vous dis la vérité, vous avez besoin de secrets pour réussir efficacement dans le domaine que vous voulez. Parce que, regardez un peu, vous faites des études de CP1 jusqu'à l'université pour apprendre des secrets pour devenir professeur, pour enseigner et donner la connaissance aux enfants. Vous allez à l'école pour ça. Ce sont des secrets. Vous apprenez des secrets pour devenir ménagère, pour aller nettoyer simplement. Ça paraît simple. Prendre le torchon et essuyer, ça paraît simple. Vous le faites tous les jours chez vous. Mais on va vous demander de faire une formation pour que vous ayez le diplôme, donc le secret, avec un papier qui confirme que vous avez le secret pour aller nettoyer chez les gens. Et quand vous-même vous regardez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi, les amis? Dieu a tout mis dans la nature. Nos parents avant, ils n'avaient pas toutes ces connaissances. Mais ils ont bâti un royaume le plus puissant qui était à l'époque, un peu puissant. Quand j'écoute ma grand-mère, on était craint dans le monde à cause de nos connaissances, à cause des secrets qu'on avait, des gens qui étaient partout pour venir avoir les connaissances que nos grands-parents avaient. C'était des connaissances de la vie. Ils ont même fait des livres dessus. Ce que je suis en train de vous raconter, ce n'est pas des histoires. Si votre vie ne va pas bien et que vous n'atteignez pas vos objectifs comme il faut, c'est que vous n'avez pas encore eu le secret qu'il faut pour votre vie. Je vous dis la vérité. Parce que dans cette vie, il y a la place pour tout le monde. Dans cette vie, il y a la place pour tout le monde. Alors, si vous trouvez que votre vie reçoit un moteur handicapé, ça veut dire que votre moteur spirituel n'avance pas comme il faut, c'est que vous n'avez pas le secret qu'il faut pour avancer. Mais qui va venir vous donner les secrets? C'est qui va vous donner le code et les secrets pour que vous puissiez avoir la vie que vous voulez? Qui? Dieu n'a qu'à venir vous donner ça? Je dis non, parce que Dieu, il a tout mis dans la nature. Je vais vous parler aujourd'hui du lait que vous mangez chez vous. Le lait, c'est un secret énorme pour réussir dans tous les domaines. C'est ça que les rois ont utilisé pour devenir puissants dans ce monde. Le lait que vous utilisez chez vous. La preuve, pour ceux qui écrivent dans les commentaires que la Bible dit, que la Bible dit, que la Bible dit, prenez votre temps pour lire la Bible parce que les secrets de la vie se trouvent dedans. Je vous dis la vérité, les secrets de la vie se trouvent dans la Bible. On vous a donné la moitié pour lire. Sinon, ceux qui ont trouvé le vrai livre de la Bible, ils l'ont gardé, ils l'ont conservé. Ils prennent ça pour avancer. Parce que nos grands-parents avaient des secrets. Le lait que vous voyez, que vous buvez, il est mentionné plusieurs fois dans la Bible, la moitié de la Bible qu'on vous a donnée. La moitié de la Bible est écrite dans le livre. Je vais dire, et puis vous allez me contredire. C'est écrit, je vais vous envoyer où coule le lait et le miel. Dieu lui-même qui nous a créés, il dit, je vais vous envoyer sur la terre où coule le lait et le miel. Et les amis, si vous pouvez devenir des bergers, les vaches qu'on trouve loin là, vous pouvez les avoir chez vous, les élever. Ils vont vous apporter l'abondance que vous cherchez. Parce que le secret de la vie se trouve dans les vaches. Les vaches que vous avez dans votre maison, ils produisent le lait dont Dieu parle. Alors c'est un animal béni. C'est pour ça en Inde, on ne le mange pas. On ne mange pas cet animal.
Parce que non seulement il donne la prophétie que Dieu a donnée, parce qu'il produit le lait qui apporte l'abondance. Là où on fait le lait, là où on le travaille, là où on le produit, c'est là que l'abondance arrive. Je vous dis la vérité. Donc pour ceux qui cherchent un métier et qui ne savent pas quel métier ils vont faire dans leur vie, commencez déjà à devenir des éleveurs de bœuf pour pouvoir produire le lait. La vache même là, cherchez ça. Vous allez pouvoir élever la vache et puis elle va vous produire le lait. Quand vous allez commencer à produire le lait, vous allez commencer à avoir l'abondance dans votre pays, dans votre village, dans votre famille et vous allez appeler l'abondance dont Dieu a déjà envoyé dans le message des livres saints que vous portez. Comment l'utiliser? C'est ça la bonne question. Il y a plusieurs méthodes d'utiliser le lait. La preuve, il donne beaucoup de nourriture. Le lait donne le fromage, le lait donne la crème fraîche, le lait, il donne tellement de recettes. Et toutes les recettes qui sont autour du lait provoquent l'abondance. Je vous dis la vérité, les amis. Lorsque ma grand-mère me parlait de ça avant, je n'ai pas vu une seule vache en Afrique. Je n'ai jamais vu de vache en Afrique. C'est quand je suis arrivée en Europe que j'ai vu qu'il y avait la vache. À chaque fois que je suis devant cet animal, je regarde l'animal là seulement. Je regarde l'animal là. Non seulement elle est impressionnante, mais elle garde des secrets. Elle garde des secrets que vous n'imaginez même pas. Pour ceux qui cherchent des métiers, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire dans leur vie, commencez à élever des vaches. Où que vous soyez, élevez des vaches, produisez le lait, fabriquez des yaourts, même commencez déjà même à fabriquer des yaourts. Fabriquez ça, vous-même vous allez voir, vous allez apporter. Déjà le lait il est blanc, le lait n'est pas jaune, il est blanc. La blancheur appelle la pureté. Et déjà, c'est une nourriture sainte parce que Dieu a parlé d'elle que je vais vous envoyer sur une terre promise où coule le lait et le miel. Il a dit d'abord le lait et le miel. Vraiment. Hey, les amis, réveillez-vous. Réveillez-vous pour votre vie. Dieu a mis tout dans la nature. Cherchez des secrets. Cherchez des secrets parce qu'il y a des gens qui ont gardé des secrets dans des livres. Et ces livres leur permettent d'avancer. Si cette vidéo vous a plu, ça a été un super plaisir de le partager. Partagez les vidéos, abonnez-vous et surtout appréciez les vidéos. À bientôt.